Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler des fonctions réciproques. Alors, soit f, une fonction définie sur un ensemble I à valeur dans un ensemble J. Donc f, une fonction définie sur I à valeur dans J. F est une bijection de I sur J signifie deux choses. D'abord, tout élément de I a une image par F. Deuxième condition, tout élément de J a un seul antécédent dans I. Des exemples. Je considère l'ensemble A, B, C, D. Ça, c'est l'ensemble I. Et je considère J, l'ensemble 0 à 2. Alors, première condition, tout élément de I a une image par F. Donc A doit avoir une image. B doit avoir une image. C doit avoir une image. Et D doit avoir une image. La deuxième condition, est-ce que tout élément de J a un seul antécédent dans I? Est-ce que tout élément de J a un seul antécédent? Eh bien, cette condition n'est pas réalisée parce que 1 a deux antécédents. Donc ici, f n'est pas une bijection. Deuxième exemple, je prends i et j. I, c'est A, B, C, D. J, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Soit f, alors l'image de A, ça va être le nombre 1. L'image de B, ça va être le nombre 2. L'image de C, c'est 3. L'image de D, c'est 4. Donc la première condition, c'est que tout élément de I a une image par F. Elle est réalisée, cette condition. Est-ce que tout élément de J a un antécédent dans I? Cette condition n'est pas réalisée parce que 0 n'a pas d'antécédent. Donc même dans ce cas, F n'est pas une bijection. Alors je considère maintenant de R dans R. I, c'est R, J, c'est R aussi. Je considère la fonction définie par f de x égale 2x plus 1. Donc l'image de 0, c'est 2 fois 0 plus 1, c'est 1. L'image de 1, c'est 2 fois 1, 2 plus 1, 3, et ainsi de suite. L'image de 5, c'est 2 fois 5, ça fait 10, plus 1, ça fait 11. Donc il est manifeste que tout nombre réel a une image par f. Si je prends un nombre réel x, eh bien je le multiplie par 2, puis j'ajoute 1 pour trouver son image. Le problème, est-ce que tout élément de R admet un seul antécédent? Donc si je prends un nombre x réel, est-ce qu'il admet un seul antécédent? Donc c'est-à-dire, est-ce que je peux trouver un nombre y, est-ce que ce y est aussi unique, qu'il soit antécédent par f? C'est-à-dire, si je prends x réel, est-ce que je peux trouver un nombre y tel que f de y soit égal à x? Est-ce que cette équation admet une solution unique? Eh bien, dire que f de y c'est égal à x, c'est dire que 2y plus 1 est égal à x. Ça équivaut à dire que 2y égale x moins 1, ou encore y égale x moins 1 sur 2. Donc ici, y, c'est x moins 1 sur 2. Cette équation admet une solution unique. Ça veut dire que quel que soit le nombre x que vous prenez dans R, il admet un unique antécédent. D'ailleurs, si je prends par exemple le nombre 31, son antécédent, c'est 31 moins 1, ça fait 30, divisé par 2, je trouve 15. Donc ici, tout nombre réel possède un seul antécédent. F est une bijection de R dans R. Alors, si F est une bijection, la réciproque de F, on la note F moins 1. Et la fonction qui a tout élément de J, ici, si je l'appelle Y,
associe son unique antécédent par f, x. Par exemple, dans cette bijection, on va dire que f moins 1 de 31, si son unique antécédent, c'est 15. Et généralement, par cette fonction, si je prends x qui est un nombre réel, puisque c'est une bijection, j'ai le droit de parler de la réciproque, et f moins 1 de x va être égal à x moins 1 sur 2. Je considère maintenant la fonction définie par f de x égale x au carré de r dans r. L'image de 0, c'est 0 au carré, c'est 0. L'image de 1, c'est 1 au carré, c'est 1. L'image de 3, c'est 9, et ainsi de suite. Eh bien, si je prends le nombre moins 4, il n'a pas d'antécédent. Il est impossible de trouver un nombre x tel que x au carré soit égal à moins 4. Donc cette fonction n'est pas une bijection de R dans R. Et même, le nombre 9 va avoir deux antécédents, parce qu'en fait 3 et moins 3 ont pour carré 9. Donc il y a des éléments de J, donc de R, qui n'ont pas d'antécédents, et aussi il y a des éléments qui ont deux antécédents. Si je restreins cette fonction à R+, c'est-à-dire 0 plus l'infini, si je considère la fonction définie par f de x égale x au carré avec x positif et dans R+, eh bien, à ce moment-là, ça devient une bijection, parce que tout nombre x ici va avoir un seul antécédent. Et l'antécédent de x, ça va être sa racine carrée. Donc cette fonction est une bijection de R+ dans R+, et sa fonction réciproque, c'est la fonction racine carrée. Alors je reviens ici. Dire que x appartient à i, et dire que f de x est égal à y, ça équivaut à dire que y appartient à j, et f moins 1 de y est égal à x. Aussi, si je prends x appartient à i, je calcule f de x, je trouve y, puis je calcule f moins 1 de y, c'est-à-dire f moins 1 de f de x. F moins 1 de y, c'est f moins 1 de f de x. Et bien, je reviens à x. Donc, je prends x, je calcule f de x pour trouver y, et je calcule f moins 1 de y, ça me ramène à x. Donc, f moins 1 de f de x, c'est égal à x. Et si y appartient à j, je calcule f moins 1 de y d'abord, pour trouver x, et ce nombre x, je calcule son image par f, donc f de f moins 1 de y. Je retrouve y. Donc je prends y, je calcule f moins 1 de y, et ce nombre, je calcule son image par f. Je retourne à y. Voici maintenant la courbe d'une fonction f dans un repère donné. Ça, c'est la courbe de f, définie sur un intervalle i. Donc l'intervalle i, le voici. L'image de l'intervalle i par cette fonction, donc tout élément de i, je cherche son image, je vais trouver cet intervalle que je vais appeler j. Donc j'ai une fonction f de i définie sur un intervalle i à valeur dans j. La question qu'on se pose, est-ce que f est une bijection de i sur j? C'est-à-dire, est-ce que tout élément de j possède un seul antécédent? Il est manifeste que si je prends y ici, dans j, ce nombre y, eh bien, y va avoir deux antécédents ici, x1 et x2. F de x2, c'est y, f de x1, c'est y aussi.
Donc il a deux antécédents, x1 et x2. Donc f n'est pas une bijection de i sur j. Le problème, justement, il provient de cette bosse ici, parce que la fonction, elle croît, puis elle décroît. Elle croît, puis elle décroît. Donc on va trouver une valeur y qui va avoir deux antécédents. Alors, si je prends une fonction f définie sur un intervalle i qui ne présente pas de bosse, donc une fonction f strictement monotone, donc on va prendre par exemple ici une fonction f strictement croissante sur l'intervalle i. Voici un intervalle i et l'image de i, ça va être cet intervalle j. Donc la fonction f définition i à valeur non j. Là, sur cet exemple, on voit que tout élément de j, si je prends un nombre y ici, tout élément de j possède un seul antécédent, x. Tout élément ici a un seul antécédent. Et là, je vais énoncer un théorème, c'est que si f est une fonction strictement monotone, sur un intervalle i, alors f est une bijection de i sur l'ensemble image j. Pourquoi je dis l'ensemble image ? Parce qu'il n'est pas dit que f est continu. Donc il n'est pas dit que l'image de l'intervalle est à l'intervalle. Si je prends par exemple cette fonction définie sur un intervalle i, strictement croissante sur i, mais pas continue. Voici l'intervalle i. Eh bien, tout élément de i a une seule image, a sa propre image, donc tout élément a une image, donc c'est la première condition. L'image de l'intervalle i, c'est un ensemble, c'est une réunion de deux intervalles en fait. L'ensemble j, c'est la réunion de ces deux intervalles. Ici c'est ouvert, ici c'est fermé, ici c'est fermé. Donc, tout élément de J, qu'il soit là, Y, ou qu'il soit là, Y possède un seul antécédent. Là aussi, tout élément possède un antécédent. Si j'ajoute une condition, si j'ajoute la condition F continue sur I, donc, le théorème, si F est continu et strictement monotone. Sur un intervalle i. Alors, f est une bijection de i sur l'intervalle image, sur l'intervalle j égale f de i. Là, je peux affirmer que c'est un intervalle. On peut prendre cet exemple. Soit donc une fonction f continue et strictement monotone sur un intervalle i. C'est une bijection de i sur l'intervalle j égale f de i. La réciproque, c'est f moins 1 de j sur i.
Alors, si je prends x appartient à i, et f de x qui est égal à y, ceci veut dire que y appartient à j, et f moins 1 de y qui est égal à x. Dire que x appartient à i et f de x égale y, ça veut dire que le point M de coordonnées xy appartient à la courbe de la fonction f. Dire que y appartient à j et f moins 1 de y est égal à x, c'est dire que le point M' de coordonnées yx appartient à la courbe de f moins 1. Donc si je considère un repère orthonormé, OIJ, dire que le point M de coordonnées xy appartient à la courbe de f, ça revient à dire que le point M' de coordonnées yx appartient à la courbe de f moins 1. Le point de coordonnées yx, comment je le place? Eh bien, y, c'est par rapport à m, c'est l'ordonnée de m, ça devient l'abscisse du point M'. Donc, cette valeur, elle vient ici. Et x, c'est l'abscisse du point M, ça c'est l'abscisse de M, ça devient l'ordonnée du point M'. Donc je porte l'abscisse ici sur l'axe des ordonnées. Et je trouve le point M' qui appartient à la courbe de f moins 1. Donc M et M', x devient y et y devient x, c'est-à-dire l'abscisse devient ordonnée, et l'ordonnée devient abscisse. Tout simplement, ça veut dire que les points M et M' sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x, puisque x devient y et y est égal à x. Donc, à la suite de ce théorème, son énoncé ici, la suite de l'énoncé, c'est que les courbes de f et f moins 1 sont dans un repère orthonormé symétrique par rapport à la droite d'équation y égale x. Ça, c'est un premier résultat. Si je trace la courbe de f, si ça c'est la courbe de f, comment je trace la courbe de f moins 1? Tout simplement par symétrie. Donc ce point, son symétrique qui vient ici, ce point, son symétrique, il est là. Ce point sans symétrique il est là, donc je vais obtenir quelque chose dans ce genre-là. Ça, ça sera la courbe de la fonction f moins 1. Donc elles sont bien symétriques. En plus, si la fonction f est continue, son image par la symétrie, on va obtenir une fonction continue. Donc f moins 1, elle va être f moins 1 est continue sur J. En plus, si f est strictement croissante, f moins 1 sera aussi strictement croissante. Pourquoi ceci est vrai? Dire que f est strictement croissante, ça veut dire que lorsque l'abscisse augmente, l'ordonnée augmente. Si je prends x2 plus grand que x1, f de x2 est strictement plus grand que f de x1. C'est-à-dire y2 est strictement supérieur à y1. En inversant, y2 supérieur à y1 me donne x2 supérieur à x1. Donc, et inversement, si f est strictement décroissante, ça veut dire que si x2 est plus grand que x1, l'image de x2 devient plus petite que l'image de x1, et inversement. Ça veut dire que la fonction f et f moins 1 en même variation.
Si f est strictement croissante, f moins 1 sera strictement croissante. Si f est strictement décroissante, f moins 1 sera aussi strictement décroissante. Donc f moins 1 est continu et strictement monotone sur J. Même sens de variation que f. Voilà les informations sur f moins 1. Une première application, soit f la fonction définie sur l'intervalle 2 plus l'infini par f de x égale x2 moins 4x plus 1. On va montrer que f est une bijection de i, c'est-à-dire 2 plus l'infini, sur un certain intervalle j que l'on précisera, et on va expliciter f moins 1 de x pour x appartenant à j. Expliciter f moins 1 de x, c'est-à-dire écrire f moins 1 de x en fonction de x. Alors, première chose, première étape, c'est étudier le sens de variation et dresser le tableau de variation de f. F est bien dérivable sur 2 plus l'infini parce que c'est une fonction polynôme et f' de x c'est 2x moins 4. Donc si je veux tracer le tableau de variation x, f' et f de x sur l'intervalle 2 plus l'infini, x supérieur à 2, 2x moins 4 est positif, la fonction est strictement croissante. F de 2, c'est 2 au carré, 4. 4 moins 8, c'est moins 4. Moins 4 plus 1, c'est moins 3. Et en plus l'infini, la limite de f, c'est plus l'infini. On va écrire f est continue et strictement croissante. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, donc f est une bijection de l'intervalle 2 plus l'infini sur son image, sur l'image de l'intervalle 2 plus l'infini, et on sait que l'image de l'intervalle par une fonction continue strictement monotone est un intervalle de même nature. Ici, ça va être f de 2, c'est-à-dire moins 3, et la limite en plus l'infini de f de x, plus l'infini. Donc voilà, f, ça va être une bijection de 2 plus l'infini sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. Elle admet une fonction réciproque, f moins 1, définie sur moins 3 plus l'infini. Donc ceci, c'est j. Chercher la réciproque. Pour x appartenant à j, donc je prends x ici, je cherche sa réciproque. Chercher la réciproque, donc f moins 1 de x, je vais l'appeler y. Donc je vais dire, on prend x, x ça devient la donnée, et y ça devient l'inconnu. Donc je prends x dans l'intervalle moins 3 plus l'infini. J'appelle y égale f moins 1 de x. Ceci veut dire que y est dans l'intervalle 2 plus l'infini et f de y est égal à x. Bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est chercher y en fonction de x. Ce qu'on a, c'est que justement, f de y est égal à x. Ceci veut dire, f de y, c'est y au carré moins 4y plus 1, qui est égal à x. Ici, c'est une équation où l'inconnu est y. Et à chaque fois qu'on veut chercher la réciproque d'une fonction, on aboutit à une équation où y est une inconnue, x est donné. Alors comment résoudre cette équation? Tout
Tout simplement, on va écrire que y au carré moins 4y est égal à x moins 1. Et puis, comme ici c'est un produit, c'est un début d'un produit remarquable, je vais ajouter 4 et 4. Ceci est équivalent à y moins 2 au carré égale x moins 1 plus 4, c'est x plus 3. X plus 3 est positif parce que x est supérieur à moins 3. On a x dans l'intervalle de l'infini. Ceci me donne x plus 3 positif. Donc cette équation devient racine de y moins 2 au carré, c'est-à-dire valeur absolue de y moins 2 égale racine de x plus 3. Or, y, je sais qu'il est dans l'intervalle 2 plus l'infini. Y est supérieur à 2. Donc, y moins 2 est positif. D'où, la valeur absolue de y moins 2, c'est y moins 2. C'est racine de x plus 3, ce qui me donne y égale 2 plus racine de x plus 3. Conclusion, la fonction f moins 1 est définie sur moins 3 plus l'infini par f moins 1 de x, c'est 2 plus racine de x plus 3, x dans l'intervalle moins 3 plus l'infini. Si par exemple, je prends dans l'intervalle moins 2 plus l'infini, je prends y égale 4. L'image de 4 par f, f de 4, 4 au carré, c'est 16. Moins 16 plus 1, je trouve 1. F de 4, c'est 1. Eh bien, f moins 1 de 1, ça va être égal à 4. C'est-à-dire, si je prends x égale 1, je vais trouver y égale 4. Prenons x égale 1 ici, f moins 1 de 1, c'est 2 plus racine de 1 plus 3. 1 plus 3, c'est 4. Racine de 4, c'est 2. 2 plus 2, c'est 4. Alors, pour chercher la méthode, pour chercher la réciproque, on aurait pu faire la chose suivante. À partir d'ici, on aurait pu dire cette équation qui est équivalente à y2 moins 4y plus 1 moins x égale 0. Et c'est une équation du second degré en y. Donc delta, c'est b au carré, ça fait 16, moins 4 fois a fois c, c c'est a moins x, parce que l'inconnu c'est y, ça c'est c. Moins 4 fois 1 moins x, 16 moins 4, c'est 12, plus 4x. Delta, je mets 4 en facteur, fois 3 plus x. Je trouve deux solutions, y1 égale moins b, c'est-à-dire 4, moins racine de delta, la racine carrée de tout ça, racine de 4, c'est 2, racine de x plus 3, sur 2a, c'est-à-dire 4 divisé par 2, c'est 2, moins racine de x plus 3, et y2, c'est 4 plus 2 racine de x plus 3 divisé par 2, c'est-à-dire 2 plus racine de x plus 3. On a deux solutions, l'une est bonne, l'autre est mauvaise. Mais comme on cherche y supérieur à 2, ce nombre est inférieur à 2, c'est 2 moins un nombre positif, donc y1 à rejeter. Donc y c'est y2. Et on trouve la même conclusion, y c'est 2 plus racine de x plus 3. Voilà le premier exercice. Le deuxième exemple, la fonction f est définie sur R par f de x égale 1 plus x sur racine de 1 plus x2. On va montrer que f est une bijection de R sur l'intervalle à préciser et on va chercher sa réciproque.
On va commencer par étudier les variations de f. F est dérivable sur R. Pourquoi est-ce que f est dérivable? Parce que déjà, la fonction kx associe 1 plus x2, c'est un polynôme, donc c'est une fonction dérivable sur R. C'est strictement positif. Donc sa racine carrée est une fonction dérivable. En plus, non nulle. Donc le quotient ici, c'est une fonction dérivable auquel j'ajoute une constante. Ça reste une fonction dérivable. Et f' de x, la dérivée de 1, c'est 0. Et ici, on a la dérivée d'un quotient. Donc on divise par 1 plus x2. La dérivée de x, c'est 1, multiplié par racine de 1 plus x2, moins x, multiplié par la dérivée du dénominateur, c'est racine de f dérivée, c'est f', donc 2x sur 2 racines de 1 plus x2. Je trouve pour x dans R, f' de x égale, on simplifie par 2. Ici, on réduit au même dénominateur, c'est racine de 1 plus x2. Donc on obtient 1 plus x2 multiplié par racine de 1 plus x2. Et 1 plus x2 moins x2, c'est 1. C'est strictement positif. Les limites maintenant, en moins l'infini, si la limite en moins l'infini de 1 plus x sur racine de 1 plus x2, je mets x2 en facteur. Facteur de 1 sur x2 plus 1, c'est limite en moins l'infini de 1 plus x sur racine. Racine de x2, c'est moins x parce que x est négatif. Racine de 1 sur x2 plus 1, je simplifie par x. 1 sur x2, sa limite c'est 0, plus 1 ça fait 1. Donc 1 divisé par moins 1, c'est moins 1 plus 1, c'est 0. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Ici, racine de x2, c'est x. Donc 1 plus 1 sur racine de 1 sur x2 plus 1. En plus l'infini, 1 sur x2 tend vers 0. Donc là, c'est 1 plus 1, c'est 2. Ce qui nous permet de conclure par ce tableau de variation. De moins l'infini à plus l'infini, la dérivée est strictement positive et la fonction croît de 0 à 2. Alors pour la recherche de la réciproque, on va écrire la fonction f est continue et strictement croissante sur R. Donc F est une bijection de R sur l'image de R, et l'image de R ici, c'est l'intervalle 0,2. Bien. Ça, c'est l'existence de la réciproque. Comment je cherche la réciproque? Je vais faire un schéma. Donc, je sais que f est une bijection de R sur 0,2. Mon problème, c'est d'expliciter f moins 1 de x lorsque x est dans 0,2. F moins 1 de x, je vais l'appeler y. Donc, je vais écrire x est dans l'intervalle 0,2 et f moins 1 de x, je l'appelle y. Ceci veut dire que y est réel et f de y égale x. On va avoir l'équation f de y égale x à résoudre. X est donné, y est l'inconnu. Et f de y est égal à x équivaut à f de y, c'est 1 plus y sur racine de 1 plus y2, k
qui doit être égal à x, c'est-à-dire y sur racine de 1 plus y2 égale x moins 1. Pour résoudre cette équation, on va élever au carré. Donc on va obtenir y au carré divisé par 1 plus y au carré égale x moins 1 au carré. Mais cette équivalence n'est vraie que lorsque y et x moins 1 sont de même signe. Parce que a égale b n'est équivalent à a au carré égale b au carré que lorsque a et b sont de même signe. Donc c'est équivalent à cette égalité avec y et x moins 1 de même signe. Vous allez voir tout à l'heure l'importance de cette remarque. Vous voyez que si y est positif, x moins 1 devra être positif, et si y est négatif, x moins 1 sera négatif. Y, il est dans R, il peut être positif ou négatif, et si vous voyez l'intervalle 0, 2, x est entre 0 et 2, il peut être plus petit que 1 ou plus grand que 1, il peut être aussi bien négatif que positif. Eh bien, on va calculer, j'obtiens y2 égale, ce produit c'est une fois x moins 1 au carré, c'est x moins 1 au carré plus y2 fois x moins 1 au carré. C'est-à-dire y2 facteur de 1 moins x moins 1 au carré égale x moins 1 au carré. C'est-à-dire, l'inconnu c'est y, il ne faut pas oublier, y2 c'est x moins 1 au carré divisé par 1 moins x moins 1 au carré, c'est ici x au carré avec le signe moins, c'est moins x2, moins 2x avec le signe moins, c'est plus 2x, moins 1 plus 1 c'est 0. Alors y2 c'est ce nombre, si je remarque que moins x2 plus 2x est positif, si vous étudiez le signe de moins x2 plus 2x, c'est un polynôme du second degré qui s'annule en 0 et en 2. Entre les deux racines, c'est un signe plus, et ici c'est un signe moins. Comme x est entre 0 et 2, moins x2 plus 2x est positif, il est strictement positif, donc ça ne pose pas de problème. Et comme je sais que y et x moins 1 doivent être de même signe, normalement y2 c'est ce nombre, ça veut dire que soit y c'est x moins 1 sur racine de 2x moins x2, soit y c'est l'opposé. Comme y et x moins 1 sont de même signe, donc ça nous donne cette solution. Car y et x moins 1 sont de même signe. Conclusion, la fonction f moins 1, elle est définie de 0, 2 dans R par x associé f moins 1 de x égale x moins 1 divisé par racine de 2x moins x2. Ce que je propose de faire maintenant, c'est de tracer la courbe de f et la courbe de f moins 1 dans un même repère orthonormé. Donc ici, je considère un repère orthonormé OIJ. Pour tracer la courbe de f, la limite de f en moins l'infini, c'est 0, donc la droite d'équation y égale 0 est une asymptote de la courbe de f, au moins l'infini. La limite de f de x en plus l'infini, c'est 2, donc la droite d'équation y égale 2 est asymptote de la courbe de f en plus l'infini. Bon, des valeurs remarquables, l'image de 0, c'est 1. Voilà, l'image de 0, c'est 1. La fonction f est strictement croissante. La courbe va avoir cette allure. Ça, c'est la courbe de f. Pour tracer la courbe de f moins 1, on a dit que la courbe de f moins 1 est l'image de cette courbe de f,
par la symétrie d'axe y égale x. Donc ici, j'ai tracé la droite d'équation y égale x. D'abord, remarquons que ce point, le point d'intersection de la courbe de f avec la droite d'équation y égale x, puisqu'il vérifie y est égal à x, donc il est à la fois sur la courbe de f et sur la courbe de f moins 1. Donc ce point est sur la courbe de f moins 1. On sait que f de 0, c'est 1. Donc f moins 1 de 1 égale 0. Donc le point de coordonnées 1, 0 appartient à la courbe de f moins 1. C'est le symétrique de ce point d'ailleurs, par rapport à la première bisectrice. Pour la courbe de f, la droite d'équation y égale 0 est une asymptote horizontale. Donc pour la courbe de f moins 1, y se transforme en x. Donc la droite d'équation x égale 0 devient asymptote. La droite d'équation x égale 0, c'est cette droite-là. La droite d'équation y égale 2 est asymptote à la courbe de f. Donc, si je change y en x, j'obtiens la droite d'équation x égale 2 qui est asymptote verticale. La droite d'équation x égale 2 est asymptote verticale, je la trace. F moins 1 est défini sur 0,2. En 0, la limite de f moins 1, c'est moins l'infini. Donc en 0 plus, c'est moins l'infini. La courbe de f moins 1 est strictement croissante. Elle passe par ce point. Elle passe par ce point. Et lorsque x tend vers 2, f moins 1 de x tend vers plus l'infini. Donc ça nous donne quelque chose dans ce genre. Voici la courbe de f moins 1. Voilà. Merci d'avoir suivi.